Hey, salut les amis, c'est Immortal71 Camille. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de l'édition spéciale de Shadow of the Colossus sur PlayStation 4. Alors malheureusement, on a eu la malchance que cette version ne sorte exclusivement aux États-Unis. Et voilà, nous pauvres petits Français et Européens, nous avons même pas droit à cette édition spéciale. Heureusement qu'à l'époque, en 2006, on a eu droit quand même à la version cartonnée, la version collector sur PS2. Hein. Donc heureusement. Donc là, je vais vous montrer le contenu de cette version. Avant ça, j'aimerais quand même vous montrer le jeu en version française. Donc comme on peut le constater, le jeu est en français. Le disque du jeu, et là tout ce qu'on a, c'est tout simplement un papier avec donc les fonctions, les boutons de la manette, quoi. Voilà, rien de spécial. Puis de l'autre côté, bien entendu, une publicité pour le PlayStation Plus. Donc là, on va ouvrir maintenant l'édition spéciale qui, vous, comme vous pouvez le constater, est quand même beaucoup plus épaisse que la version normale. En plus, le truc qui est assez rigolo, c'est que je pensais qu'il y aurait pu avoir une version japonaise collector, mais a priori non, ou alors je me suis mal informé. Donc là, on va donc ouvrir le collector. Dis bonjour. On va donc ouvrir le collector en mettant un petit coup de cutter très bref. On va essayer de ne pas éventrer le coffret, ce serait quand même un petit peu dommage, n'est-ce pas? Donc là c'est bon. On a juste à faire glisser le blister, un blister très très souple. Donc voilà, donc là on a donc un coffret souple. On nous dit qu'à l'intérieur il y a le steelbook avec le disque du jeu, des cartes postales artistiques, un manuel, des thèmes customisables, un avatar, la carte du monde et des autocollants pour les colosses. Voilà, et apparemment on a aussi
Apparemment, on a aussi un petit DLC, un skin de cheval. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Rock of Fate. Et un tir à l'arc. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, on va regarder maintenant ce qu'il y a dedans. Essayer d'ouvrir ça sans l'abîmer. Donc, ça, c'est bon. On va faire ça. Voilà, en faisant comme ça, ça passe mieux. Ça passe mieux. Faut quand même un petit peu secouer. Donc là, dedans, on n'a plus rien. Donc là, voilà comment c'est présenté. Donc un très beau coffret capitonné. Vraiment très très joli. Très très joli. On retrouve notre chevalier endormi, le troisième colosse, pour être précis, avec Vanda juste en bas. Donc là, on va sortir donc tout le contenu. Hop! Donc là d'ailleurs, ça a failli tomber. On a donc les autocollants des colosses qui sont quand même franchement assez rigolos. Donc ça c'est vraiment très sympa. Bon, ça brille un peu, je ne sais pas si vous voyez correctement. Tout cas, je trouve ça plutôt sympa, plutôt stylé. Donc ensuite, la carte du monde, bah, du coup en papier glacé. C'est pas du tout une carte en tissu comme les RPG de chez Piranha Bytes avec Alex ou encore de Warhol Studio avec Kingdom Come Deliverance. Mais en même temps, c'est pas un RPG, donc après c'est normal. Et puis c'est pas du tout le même genre de jeu, donc c'est assez normal que tout ce qui est collector et édition spéciale soit relativement différente. Donc voilà une petite carte en papier glacé. C'est assez simple, c'est le même genre de papier qu'un poster. Donc voilà, c'est plutôt sympa, je trouve. Plutôt sympa. Voilà. Donc on va mettre ça de côté. Là, on a ici donc le contenu que je vous disais. Donc un petit papier glacé avec au dos, il y a le code de téléchargement. On a. Donc ça, c'est quoi? Très sympa. Donc là, on a du coup espèce de manuel, donc tout sympa. On a donc l'intro avec différents artworks du jeu, donc c'est vraiment très très sympa, très très sympa. Ensuite, on a les commandes de la manette avec d'autres artworks. Voilà. On nous dit vraiment comment jouer. Voilà. Comment nager, etc. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment très très sympa. Donc là, je vous montre à peu près tout. Comment on court à cheval, etc. Voilà. Comment on tire à l'arc. Enfin, plein de choses, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment c'est un petit manuel qui est franchement bien foutu. Très, très bien illustré. Avec une couverture de notice relativement normale, quoi, mais de bonne qualité. Donc, c'est très rare d'avoir un manuel et franchement, ben, je trouve ça vachement bien. Alors, maintenant, passons à deux autres illustrations. Comme on a pu avoir dans la version PS2 à l'époque. Donc là, bon, c'est, on va dire, c'est des sortes de cartes postales, quoi. Il n'y a rien au dos.
Donc on retrouve déjà le chevalier endormi. Donc vraiment vraiment très réussi, très très stylé. Et donc voilà l'autre colosse. Voilà. Donc vraiment de très belles illustrations, très 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 jolies. Là maintenant le plus important est on a le steelbook. Vraiment très très beau. Au niveau de la tranche, pareil, c'est sobre mais c'est classieux. Les numéros des colosses. Donc là, bien sûr, je suppose que le colosse qui est sur la couverture, bah donc c'est le troisième colosse, et c'est donc sans doute pour ça que le 3 est entouré d'ailleurs. Donc là maintenant, on va ouvrir en montrant le disque du jeu. Donc on va enlever le disque du jeu pour pouvoir regarder. Donc voilà, ça c'est bien. Histoire qu'on regarde l'illustration. Vraiment de très bonne facture, vraiment 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 très très bien. Bon, franchement, j'aime beaucoup personnellement, hein. Le steelbook est vraiment très très classieux. Alors je vais ranger le disque à l'intérieur. Voilà. C'est marrant. C'est marrant parce qu'en fait, je crois qu'on peut. Mais ça tient même pas dedans. Par contre, je crois que je vais glisser les cartes postales pour pas qu'elles soient abîmées. Voilà, je vais les glisser dans le steelbook. Comme ça, elles seront rangées correctement. Là, c'est bien comme ça. Moi, je vais les ranger comme ça. Alors, je voulais vérifier quelque chose avec la version normale. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Juste comme ça, à titre informatif. Le disque de la version US est blanc avec bleu en bas. Et donc, le disque français à gauche, dans son boîtier bleu. Enfin, français, après, je veux dire européen. Hein. C'est une version pâle. Donc, c'est le même disque pour tous les pays européens. Sauf le PEGI qui sera pas de la même couleur. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Des petites différences comme ça pour collectionneurs, c'est bien. Donc ça, voilà. Donc là du coup je vous remontre une dernière fois le steelbook avant qu'on se quitte. D'ailleurs je voulais vous informer que je ferai un jour une petite présentation, unboxing en fait de la première version sur PS2. Ça vous verrez à quel point elle était très jolie pour l'époque. Pas de steelbook bien entendu vu qu'ils en faisaient pas à l'époque. Hein. Donc ça c'est tout à fait normal. Voilà, donc là, boîtier steelbook. On remontre donc de nouveau que là-dessus, bah, vous aurez un DLC donc à télécharger. Le truc à savoir, c'est qu'en précommandant la version française, certes, bon, maintenant nous sommes en mars, hein, donc j'ai mis un peu de temps à vous faire le unboxing parce que j'ai commandé chez Playasia et ça a demandé plusieurs semaines avant que je les reçoive. Juste pour dire que, voilà, en précommandant à l'époque la version normale bah, sur Amazon, hein, je ne sais pas s'ils le font ailleurs, ils ont donné donc bah, pareil, hein, un code de téléchargement pour voilà. Donc pour le coup, ben, le manuel, encore une fois, hein, les stickers, la carte en papier, je vous montre ça vraiment très rapidement afin d'y ranger. Voilà. Donc voilà. On va tout ranger soigneusement. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette petite vidéo de l'édition spéciale de Shadow vous a plu. Comme vous avez pu voir, j'ai pu commencer
à vous faire un petit let's play. Je sais pas si je le ferai en entier, mais bon, quoi qu'il en soit, je vous montrerai quand même quelques colosses. Hein. Donc j'espère que cette vidéo unboxing vous plaira tout autant que les autres. Donc je vais essayer de vous la mettre prochainement. Écoutez, voilà, je vous dis franchement que c'est il vaut pas plus cher que la version française, hein, ça doit être dans les 40$. Donc après forcément il y a l'importation et les frais de port, donc ça faut quand même compter 10-15 € en plus. 15 € en plus, ouais. Voire 20 € en plus, donc faut compter 60 € je pense depuis PlayAsia pour avoir voilà. Donc voilà, c'était tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt sur Immortal71 Camille, donc la chaîne YouTube, et mon blog oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Merci à tous et à bientôt. Allez, ciao. Thank you.